Maintenant, fini les mensonges pour la fausse avocate. Vous reconnaissez sans doute Megan Lalonde. Alors que l'étau se resserre sur elle, elle abandonne le personnage qu'elle aurait utilisé pour frauder plusieurs victimes sur les réseaux sociaux. Yves Poirier lui a parlé aujourd'hui et elle a tout avoué. Elle se présentait depuis des mois sur les réseaux sociaux comme la fausse vraie avocate préf du Québec. Mais son petit jeu a assez duré. Fini les mensonges. Megan Lalonde, qui porte le chandail rayé, à ne pas confondre avec ses photos créées par l'intelligence artificielle, a décidé de tuer son personnage. La seule chose que je veux vous annoncer, que vous savez déjà, mais que ça ne me tente plus de vous dire que j'ai déjà été avocate. Tout ça, c'était du baratin et elle l'a admis lors d'une conversation tard en soirée sur les réseaux sociaux. Si l'affaire devient d'intérêt public, c'est que le barreau du Québec a ouvert une enquête pour exercice illégal la profession. A même fait parvenir une amende de 7 500 $ à Megan Lalonde, amende qu'elle n'a pas payée. Puisqu'elle a décidé de passer aux aveux, nous sommes allés chez elle dans le but de l'interviewer. Elle a préféré nous parler au téléphone parce qu'elle dit faire face à un mandat d'arrestation. Elle, qui ne s'est pas présentée en cour récemment à Victoriaville, en lien avec un dossier de fraude alléguée qui frôlerait le 500 000 $ selon les présumées victimes. Si je comprends bien, tu as tué ton personnage de fausse avocate. C'est moi, Megan Lalonde. À travers tout ça, je pense que j'ai vu l'impact des réseaux sociaux. Il y a des gens que j'ai connus qui ont comme traversé jusqu'à ma vraie vie. Que j'avais envie juste d'être authentique. Pour tous ceux qui pensent, peu importe avoir été victime de fraude, je l'ai déjà dit, allez porter plainte. Puis pour tous ceux que j'ai réellement fraudé, que j'ai plaidé coupable, je m'excuse sincèrement. Depuis plusieurs mois, une personne réussit à se faire faussement passer pour une avocate sur les réseaux sociaux. Maître Megan Lynch, qui porte les mêmes initiales que la fausse avocate Megan Lalonde, ne l'a pas trouvé drôle. J'aimerais quand même envoyer le message de regorger de prudence. C'est extrêmement important parce qu'on en a eu la preuve dans les derniers mois. N'importe qui peut créer un compte de réseaux sociaux puis se faire passer pour un professionnel. Enfin, Raymond, toujours au sujet de Megan Lalonde. Elle subira un procès en septembre. Toujours relativement à cette démarche du barreau du Québec. Voilà pour cette affaire.